L'amour des crêpes, les crêpes, c'est toute mon enfance. Moi, je suis née en Bretagne. C'était clair dans ma tête que je ne voulais pas transformer le produit. Donc ça, c'est le principe. Garder la crêpe bretonne authentique et garnir avec les produits locaux. Alors, le choix des ingrédients, je regarde ce qu'il y a autour de moi. Bon, là, on a la chance d'avoir la fromagerie Bergeron. Donc, depuis le début, c'est le fromage Bergeron. Les petits fruits, on est vraiment chanceux à Saint-Antoine. Il y a la rosée du matin qui fait des petits fruits, donc fraises, framboises, bleuets. Allô, Michel. Bonjour, Denis. Ça va bien? Ah, je suis contente. Bien, livraison quotidienne. Merci. On commence avec les fraises. Ça, c'est les premières. Peux-tu goûter une bière? Parce que là, t'as peut-être pas goûté nos bières. Peut-être en cette journée spéciale. Ouais, on va aller goûter une bière. Bon, assez vite, j'ai fait découvrir à Michel nos petits fruits qu'on produisait à ce moment-là, la fraise bien sûr, la framboise, le bleuet. Michel, elle m'a fait découvrir ses fameuses crêpes. Mm. Puis il y a un mariage qui s'est fait. Mariage parfait. Il dure encore? Il dure encore! Il dure et qui dure toujours. Ouais. Alors la rosée du matin, c'est merveilleux. Tous les jours en été, il vient nous apporter nos fraises. Alors ça commence par les fraises, hein. Ensuite c'est les framboises, les bleuets. C'est beau, c'est bon. Puis alors on l'associe avec du sucre d'érable ou du sirop d'érable, avec le fromage. Le fromage Bergeron, en fait, c'est un gouda qui est très doux, donc on peut l'utiliser aussi bien pour des crêpes repas que pour des crêpes dessert. Puis il est local, fait qu'on est livré, là, pas tous les jours, mais presque. Là. Merci! Livraison spéciale! On l'attendait! On a certaines nouveautés qui s'en viennent. On a travaillé notre fer en or que tu dois connaître. Oui, je connais bien. On a fait une variété aux truffes, donc ça, on est en train de le développer. Je pense que vous utilisez déjà le courant des bois, le fromage au cumin. Donc ça aussi, on a une saveur assez unique. Ouais. Et on a notre Lucille qu'on connaît bien, mais maintenant on va avoir la version 2 ans, donc vieillie 2 ans pour un goût encore plus prononcé. Moi, j'adore l'ambiance rustique un peu, c'est super chaleureux, on dirait qu'on est chez quelqu'un qui nous reçoit en campagne, là, on dirait que c'est bien dit, ça. Ouais. C'est vraiment chaleureux comme ambiance, c'est relax. C'est une journée chaleureuse comme aujourd'hui, un bel endroit ombragé. Là, c'est, Et pourtant, on est dans le village, hein, c'est exceptionnel. Oui. J'habite à Saint-Antoine parce que c'est au bord de l'eau, donc c'est un concept de balade. Les gens sortent de la ville pour venir dans un village qui est au bord de l'eau, avec tous les produits agro qu'il y a autour. C'est une balade complète, hein, finalement.